Seigneur, merci pour ta parole, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ton évangile qui nous libère, qui nous sauve, qui nous restaure, qui nous guérit, Seigneur mon Père. Nous voulons nous soumettre à ta parole, à ta volonté, Père très saint. Enseigne-nous tes voies, tes oracles, au nom de Yeshua, notre Maître, notre Seigneur de gloire. Amen. Voilà, donc on a parlé la première soirée, on a parlé de la cartographie, de la géographie spirituelle ou la hiérarchie démoniaque, l'organisation démoniaque, comment le royaume de Satan est organisé. On a parlé de Daniel chapitre 10, où l'ange que Dieu avait envoyé pour parler, où l'on voit l'ange qui avait été envoyé par le Seigneur pour parler à Daniel, être bloqué pendant 21 jours. Le chef de Perse, le prince, le roi de Perse, c'est un démon territorial, s'était mis debout pour empêcher l'ange qui avait été envoyé par le Seigneur d'avoir accès à Daniel, de parler à Daniel. Alors, je vous pose une question. L'ange qui avait été bloqué pendant 21 jours, il avait apporté quoi à Daniel? Qu'est-ce qu'il avait? Hein? Qui est d'accord que c'était un message qui avait été envoyé? Ah! Alors, donc, l'opposition là est une opposition contre la parole de Dieu, contre le message du temps. Vous comprenez? Voilà. Et Satan a organisé le monde de sorte que le message de Dieu ne doit pas pénétrer ici. Il est là sur son trône, il est assis, et personne, c'est tout le monde, la terre là, est dans les ténèbres. Toute la terre est plongée dans les ténèbres. Donc, le message que Dieu envoie ne doit pas pénétrer, ne doit pas venir, ne doit pas libérer les gens qui sont ici. Là-dedans, les gens sont enchaînés. Donc, l'ange qui avait été envoyé n'était pas un ange guerrier. C'était un ange messager. Donc, c'était, on peut dire, c'était un, comme un prophète. Regarde ce que l'ange dit. Regardez. Et Dieu me disait ça aujourd'hui. Il me disait, tu vois là, c'est le message. Tu vois, j'avais pas perçu ça, j'avais jamais perçu ça comme quoi, hein, le Seigneur est vraiment celui qui nous enseigne. Hein. Daniel chapitre 10. La première année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette voix, à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant trois semaines entières. Je ne mangeai aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignai point jusqu'à ce que ces trois semaines entières soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux et je regardais, voici, il avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude de gens. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision et les forces me manquèrent aussi. Mon visage changea jusqu'à être défait. Je ne conservais aucune vigueur. J'entendus le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et une voix, et voici une main, me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et en tremblant. Et il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées à cause de tes paroles que je viens. Voyez, cet ange est venu apporter quoi? Apporter un message, apporter une parole. Voilà. Tout ange, que le mot ange veut dire quoi? Malak, messager. Donc, messager, message. Donc, le roi de Perse, l'entité territoriale de Perse, ne voulait pas que, n'est-ce pas,
que le royaume de Perse accède au message divin, au message évangélique, à l'évangile. Voilà le projet, un des projets de Satan. Parce que il sait que l'évangile libère. Et lui, dans son royaume, là, sur la terre, les gens sont captifs. Les gens ont des jougs. Le joug du péché d'abord, le joug des traditions, des coutumes. Les gens sont le joug des hommes. Même quand les hommes ne veulent pas imposer des jougs sur les chrétiens, les chrétiens, même les païens, eux-mêmes veulent des jougs. C'est terrible. Gédéon libère le peuple. Le peuple, après, dira à Gédéon, domine sur nous. Il dit, je ne peux pas dominer sur vous, je ne veux pas. Il dit, bon, c'est pas toi, ton fils. Il dit, ni moi, ni mon fils ne domineront sur vous. Voyez, c'est ce que les hommes veulent. On leur dit, ne soyez pas idolâtres. Ils veulent être idolâtres. On leur dit, vous pouvez prier vous-même Dieu. Ils ne veulent pas. Donc, le joug, voilà. Ici, là, les gens sont enchaînés, liés, ligotés sur terre. Donc, il est question de joug, du péché, premièrement, des traditions, et donc quand j'entends tradition fausse doctrine dans les traditions d'hommes, ce que le Seigneur a dit, hein, vous avez annulé la parole de Dieu pour vous l'avez remplacée par les traditions d'hommes, donc les fausses doctrines, traditions d'hommes et coutumes. Voilà, coutumes, nos coutumes, telles que la dot. Ce sont des jougs. D'autres jougs, hein, donc il y a le péché, joug de tradition, donc ça c'est le deuxième joug. Ici c'est le troisième joug. Ce sont, bien sûr, des hommes qui veulent être vos maîtres. Les démons qui veulent posséder les gens, contrôler les gens, manipuler les gens. En fait, beaucoup ne sont pas libres. Une femme, elle est soi-disant libre. Elle va être abordée par un homme. L'homme va lui faire la cour. L'homme va se présenter comme un chrétien. La femme va se laisser séduire. Et voilà que la femme va devenir l'esclave de l'homme. Qui va commencer à la manipuler, qui va commencer à prendre son argent, qui va commencer à la menacer, à la taper. Elle est esclave. Soumise, mais pas dans le bon sens du terme. Pas une soumission mutuelle, mais une soumission unilatérale. La femme est écrasée. Et combien osent parler? Très peu. Dans nos assemblées en plus. Il y en a une ici, je tairai son nom. Elle est venue dans l'une des assemblées. J'allais faire un programme de réveil quelque part. Elle venait, et puis elle tombe sur un monsieur qui était dans l'assemblée, qui se faisait passer pour un frère, que tout le monde connaissait. Ce monsieur avait une femme qu'il a laissée, avec quatre enfants au moins, qui sont assez grands. À chaque fois, je lui disais, tu ne peux pas laisser ta femme, tu dois repartir avec ta femme et ta famille, ta femme et tes enfants. Il ne voulait pas. Il fait la cour à cette sœur, nous, sans le savoir. Donc, il fait la cour, tout, et puis, hop, il se veut me voir un jour pour me dire, on est ensemble. Ah bon? La femme commence à être battue. Ils commencent à coucher ensemble tous les deux. Une fois même, la sœur, elle est venue me voir pour me parler. La sœur était chez le monsieur, ou le monsieur chez elle, je ne sais plus. Il la bat. La sœur court dehors, hein, quitte l'appartement courant jusqu'à dehors, devant les inconvertis. Le monsieur sort, il la bat dans la rue, devant tout le monde. Mais il dirige en même temps une des cellules, une des assemblées de maison. Ce n'est pas moi qui l'avais confié, mais... Voilà, les gens veulent des maîtres.
Les gens veulent des gourous. Et les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, on les traite de gourous. Et les faux, c'est eux qui sont traités de vrais. Et voilà comment ça se passe. Et la dame avait des bleus, vous voyez. Donc elle est venue me voir avec ses bleus. Elle est venue me voir. Voilà, voilà. Mais quand c'est comme ça, tu perds quelque chose. Ce que Dieu t'a donné. Voilà. Vous voyez? Donc le problème se situe à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je veux dire ce soir? De quoi je veux parler ce soir? En fait, je veux parler du combat pour la foi. Parce que la foi nous amène à la liberté. C'est ça la foi. Combattre pour la foi. Quand je vois des chrétiens qui passent leur temps dans le combat spirituel en cherchant des démons, en combattant contre le diable matin, midi, soir, je me dis, mais ils passent leur temps, ils gaspillent leur temps, parce que c'est le vrai combat, c'est pas ça. Quelqu'un qui est né de nouveau, né d'en haut, qui est en Christ et est déjà libéré des démons, cette personne-là maintenant aura à livrer un vrai combat spirituel pour la foi. J'ai reçu un jeune homme tout à l'heure. Avant-hier, il voulait me voir pour me parler de son problème de divorce avec sa femme. Je lui ai dit, écoute, viens me voir hier. Hier, il est venu. On s'est vu. Je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, écoute, reviens le lendemain, donc aujourd'hui. Donc, je l'ai reçu. Il me dit, voilà, j'ai épousé une femme qui priait avec vous, que je connais d'ailleurs personnellement, parce que avec son mari à l'époque, parce qu'elle était déjà mariée. Les deux venaient prier au programme, venaient au programme. Une sœur avec sa femme, enfin son mari, des Antilles. Et le jeune homme me dit, voilà, entre-temps, elle a divorcé avec son mari, avec qui elle a eu un enfant. Et on s'est mariés, et il y a 15 ans d'écart, donc elle est 15 ans, mon aîné, hein, donc mon aîné de 15 ans, donc elle est plus âgée que le monsieur, le jeune homme de 15 ans. Ils ont un enfant, tous les deux aussi. Et maintenant, il a commencé à le tromper. Et là, ils sont en train de divorcer. Vous voyez? Voilà un jeune homme qui tombe sous le charme d'une femme qui détruit des hommes. Qui est déjà mariée. Qui a divorcé. Mais aux yeux de Dieu, elle est toujours mariée. Parce que son mari, je me rappelle à l'époque, venait me voir pour pleurer parce qu'il voulait garder sa femme. Et voilà comment. Tac, le jeune homme sous le joug d'une femme. Jézabel, vous voyez, et la foi de ce jeune homme-là, on peut vaciller. Ah bah oui. Donc c'est un combat pour garder la foi. Et ta foi, moi je ne peux pas la garder à ta place. Ma foi, c'est pas toi qui vas la garder. Tu dois la garder toi, personnellement. C'est ça le vrai combat. Parce que si Satan nous attaque, c'est pourquoi? C'est pour détruire la foi, c'est tout. Pourquoi? Parce que Satan sait que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11 le dit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible. Or, si quelqu'un n'est pas agréable à Dieu, même si vous lui imposez les mains, il n'y a rien à faire. Ce matin, un jeune veut me voir. Il me dit, voilà, j'ai fait un songe. Quelqu'un qui vient au programme, la personne est frère en question ce soir ici. Le jeune enfant me dit, j'ai vu ce monsieur venir chez toi, il voulait entrer dans ta chambre pour éteindre la lumière. Et dans ta chambre, il y avait beaucoup de lumière, et il voulait tout éteindre. Voilà la sorcellerie. Donc, vous voyez, éteindre la lumière, c'est éteindre la foi. Oui. L'enfant de 14 ans, j'ai vu ça. Je dis, t'inquiète pas. Je suis au courant, papa, ce monsieur. Mais j'attends que Dieu l'expose à d'autres personnes, tout ça là. Vous voyez, donc ça veut dire que là, c'est chaud. Et il a entendu la voix de Dieu lui dire, il m'a dit la voix d'une multitude d'anges. Des millions de gens qui parlaient, mais ça donnait une seule voix. Pourtant, c'est dans l'Apocalypse, ça c'est écrit. Hein? Un enfant de 14 ans qui dit ça. Il a entendu la voix du Seigneur comme ça, comme le bruit de grandes eaux, qui disait, c'est une question de vie et de mort. En parlant de ce monsieur qui s'est introduit chez moi pour éteindre la lumière, et heureusement, il n'a pas réussi, il s'est sauvé. Vous voyez? Donc, c'est ça le combat. C'est pour cela que la parole parle de l'apostasie.
L'apostasie, c'est la défection de la foi. C'est l'abandon de la foi. C'est tout. Tout ce que Satan veut, c'est que tu n'aies plus foi. Après, il passe à autre chose. Et vous avez des gens qui n'ont plus foi, ils continuent parfois à venir dans les assemblées. Parce qu'il y a deux types d'apostasie. Le premier type d'apostasie, c'est des gens qui abandonnent, qui n'ont plus la foi, qui n'ont plus foi en Dieu, des gens dont la foi est détruite et qui sont repartis dans le monde totalement et qui ne fréquentent plus les chrétiens, qui sont, voilà, fini. Le deuxième type d'apostasie, c'est des gens dont la foi est détruite, mais qui continuent toujours à venir dans les assemblées. Parfois à chanter, à prêcher, mais n'ont plus foi. Ils sont plus dangereux parce qu'ils vont détruire les uns les autres. Voilà. Ils vont prendre des femmes, prendre des hommes pour détruire leur vie après. C'est ça le vrai combat. C'est-à-dire la foi que tu as reçue le jour de ta conversion, c'est ce que Satan veut détruire comme un œuf. Et on est trop naïf, les gens viennent facilement, ils vous approchent, ils vont épouser vos garçons. Il faut vérifier, il faut prier le Seigneur. Ce que Satan, là, je dis bien, il nous étudie. Pour pouvoir t'approcher physiquement avec ses ouvriers, il peut t'étudier pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, toi, tu es naïf. Tu ne sais même pas qu'il y a des réunions autour de toi. Mais Dieu peut nous donner des songes comme ça où les gens nous courent après, nous attaquent la nuit dans les songes, tout ça. Mais quand on se réveille, on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe véritablement. Voyez? Et il t'approche juste pour tuer ta foi. La foi est une flamme. C'est ça la foi. Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu. C'est là, c'est le feu. C'est le feu. Rappelez-vous bien quand l'Église est née. On nous dit que 120 langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Ah, la foi. Regardez avant que ces langues ne viennent sur eux. Ils n'avaient pas la foi. Hein. C'était une foi morte. Hein, parce qu'ils avaient peur. Ils étaient enfermés. Ils avaient peur des Juifs. C'est écrit dans Jean 20. Voilà. Quand Christ se présente au milieu d'eux, après sa résurrection, ils ont tous eu peur. Mais quand les langues de feu étaient sur eux, ils avaient l'audace de pouvoir parler, même en prison. Ils n'avaient plus peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. La foi était activée, ranimée. Voyez? Donc l'objectif du combat spirituel pour l'ennemi, c'est de nous tuer, bien sûr. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec Adam. Mange ce fruit, tu verras. Il dit à Ève, mange. Et quand elle a mangé, Ève n'a plus foi. C'est fini, la mort. Voyez? Et c'est pour cela, mes amis, là, le vrai combat, c'est ça. Le Seigneur dit dans Luc 18, lorsque le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi? Ah! Satan, ta voiture, là, c'est pas ce qui l'intéresse de casser ta voiture, c'est pas ça qui l'intéresse. Oui, il y a des démons qui peuvent attaquer ta voiture, tout ça, mais c'est pas leur motivation première. Parce que c'est eux qui inspirent aux hommes, qui leur donnent cette intelligence-là parfois pour fabriquer des véhicules, tout ça là, et pour fabriquer tout ce qui est matériel, tout ça là. Globalement, ça vient de lui. Donc, c'est pas ce qui l'intéresse. Il sait que si ta voiture est cassée, tu peux en prendre une autre, ça c'est pas un problème. Mais quand si ta foi est détruite. Là, c'est compliqué là. Tu peux la remplacer. Donc, tout ce qui se passe autour de toi, la manière dont les gens se lèvent contre toi, tes parents, ton frère, ta mère, ta sœur, ton grand frère, ta grande sœur, ton père, ta mère, tes cousins, cousines, ton employeur, tes voisins, ton bishop, les pasteurs, les frères et sœurs de ton assemblée, tout ce qui se passe autour de toi, alors que tu ne pèches pas volontairement, alors que tu cherches le Seigneur véritablement, tu es sincère, tu ne pèches pas, je dis bien, tu ne pèches pas volontairement, tout ce qui se passe, toute cette pression que tu subis, toutes ces choses-là ont un seul objectif, détruire ta foi. La foi te permet d'être dans le monde spirituel. Parce que nous sommes des esprits habitants de corps physique et des esprits qui doivent parler avec Dieu qui est esprit. Or, pour parler avec Dieu qui est esprit, nous qui sommes physiques, nous devons comprendre que nous sommes avant tout des esprits. Donc ça, c'est la foi. C'est avec la foi qu'on comprend ces choses-là. Tu ne vois pas l'enfer, mais tu sais que l'enfer existe parce que tu as la foi. Tu ne vois pas Dieu physiquement, mais tu crois qu'il existe. C'est la foi. On te dit tu vas mourir, mais toi tu dis je vais mourir, c'est la foi.
La Bible dit que dans Hébreux 11, les anciens ont obtenu un bon témoignage parce qu'ils avaient la foi. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, là, sacrifie-le. Abraham a obéi, il a fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait foi. Parce que avant Abraham, il n'y avait aucun cas signalé d'une quelconque résurrection. Non. Pourtant, Abraham a cru que Dieu était capable de ressusciter son fils. Pourtant, il n'avait aucun exemple physique sur lequel il pouvait s'appuyer pour croire. La foi. Et quand on lit Hébreux 11, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont obtenu un bon témoignage étaient des hommes et des femmes de foi. C'est même écrit qu'il y en a qui sont morts sans avoir obtenu les choses qui leur avaient été promises. Donc la foi, ce n'est pas forcément avoir toutes les choses que tu veux. La foi, c'est autre, c'est plus que ça. La foi, c'est mettre sa confiance totalement en Dieu, même si on t'égorge. Je crois que Dieu est fidèle. Oui, dans la mort, je crois. La foi, c'est ça. La foi, c'est non, j'arrête de prier parce que ma mère est décédée. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est avoir confiance aveugle dans le Dieu fidèle, pas dans l'homme, mais dans le Dieu fidèle parce que nous croyons. Je ferme les yeux, Dieu me dit, continue tout droit, je continue même si je ne vois pas. Paul le dit d'ailleurs. Nous ne marchons pas par la vue, mais par là. C'est pas moi qui le dis. Donc ça, je dis que la foi, c'est marcher selon, comme un aveugle, selon Dieu. Ça peut vous choquer, c'est écrit. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc la marche chrétienne, c'est pas une marche où tu dois d'abord voir, entendre. Non. Je crois, c'est tout. J'ai pas besoin de sentir, de toucher, de palper. Je crois Dieu, pas les hommes, pas moi, pas Chora, mais je crois Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, je crois tout. Voilà. C'est ça la foi. Même si je vais pas. Même si j'ai pas de travail, même si je suis malade, je crois que Dieu est fidèle. Même si je meurs, je crois que Dieu est fidèle. Voilà. Même si je prie, je suis malade, je prie que Dieu ne me guérit pas, je crois qu'il est fidèle parce que même si je meurs, je sais que dans l'esprit, je suis d'être guéri parce que j'ai la vie éternelle. C'est ça la foi. Donc c'est plus que ce qu'on a cru hier. Jesus Christ. Voyez? Et s'il y a quelque chose que Satan n'aime pas, c'est la foi. C'est pour cela qu'il est venu, il a donné un message sur la foi. Il a inspiré aux hommes, à ses serviteurs, un message sur la foi qui vous fait croire que si vous avez foi en Dieu, vous allez avoir une Mercedes, une BM, une belle voiture, un homme, une femme. Non, la foi véritable, tu peux être une femme, une belle femme, et ne pas avoir un homme et mourir sans avoir un homme. C'est ça la foi. Tu demandes à avoir le mariage, Dieu dit tu vas rester comme un célibataire jusqu'à ta mort. C'est ça la foi. La foi, c'est l'obéissance aveugle envers Dieu. Tu obéis à Dieu, quoi que se passe. Quelles que soient les circonstances, j'obéis et j'applique ce que Dieu dit. C'est ça la foi. La foi, Et ça, quand quelqu'un est comme ça, regarde Job, la foi. Il a tout perdu, ses enfants, tout le travail. Job a gardé la foi. Et Dieu a dit à Satan, t'as vu Job? Il a la foi. Il m'aime, il m'obéit. La foi, c'est ça. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Jean 6, 63, Jésus dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Donc la foi est spirituelle. La foi est spirituelle parce qu'elle est engendrée par la parole qui est esprit. Pas la parole physique comme ça, là. Vous voyez? C'est ça la foi. Et c'est pour cela que le vrai combat, c'est ça. Le combat pour garder la foi. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, on connaît ce passage-là. Le verset 7, qu'est-ce que Paul dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? Quand Paul était lapidé, quand Paul était emprisonné, quand Paul était, on lui a craché dessus, quand Paul était battu de verge, c'est tout ça là, c'était pour tuer sa foi. On te bat physiquement, mais l'objectif c'est de tuer ta foi spirituelle. C'est ça le truc. On te fait des vidéos contre toi. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu perds. Si tu perds la foi, ils vont t'oublier. Ils vont passer à autre chose. C'est ça le problème. Vous comprenez? Ah, Seigneur, sauve-nous. L'objectif de la convoitise, c'est ça. L'objectif de cette femme qui tourne autour de toi, c'est ça. Cet homme qui court après toi, c'est ça. C'est tuer ta foi. Oh, Seigneur, sauve-nous. Et sans la foi, on ne peut pas aller au ciel. Sans la foi, il n'y a pas d'enlèvement. On ne sera pas enlevé.
Sans la foi, il n'y a rien, on n'aura rien. Rien. Alors ça, c'est le vrai combat, c'est le meilleur combat. Là. Ça, c'est le vrai combat, c'est une lutte de tous les jours. Regarde depuis ta conversion. Avant ta conversion, tu n'étais pas conscient du combat spirituel. Tu n'étais pas conscient des attaques, des pensées impures, tout ça. Tu n'étais pas conscient de cette pression. Mais une fois que tu as eu la foi, là, ton combat a commencé. La foi est un trésor que Satan veut à tout prix voler. C'est ça, la foi. C'est pour cela qu'il envoie le doute. C'est pour ça qu'il t'envoie des gens qui vont te dire, c'est pas possible. C'est dur. C'est difficile. C'est compliqué. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens vont faire des magouilles. Je disais à un pasteur la dernière fois, avant-hier, il me disait, ben oui, on va dire que c'est à quelqu'un d'autre. Je dis, non, ça c'est le mensonge. Ça, le mensonge. Vous voyez, il n'y a pas la foi. Oh Seigneur, sauve-nous. Où sont les hommes et les femmes de foi aujourd'hui? Il y en a très peu. Très peu. Parfois, les gens vont m'amener des problèmes, des cas difficiles. Parfois, je me demande. Parfois, je peux leur demander, mais vous, est-ce que vous avez déjà prié vous-même pour la personne? Non. Vous avez un problème avec la foi? Vous n'avez pas prié pour la sœur, pour le frère, et vous voulez que moi je prie. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous commencez d'abord. Vous voyez ce que je veux dire, la foi? Oh Dieu, sauve-nous. Dieu dit aux enfants d'Israël, allez prendre possession du pays de Canaan. Ils partent là-bas, les espions, ils partent là-bas, 12 espions. Sur les 12, 10 n'avaient pas foi. Deux seulement avaient foi. Vous vous rendez compte? Une église de 10, 12 personnes, il y avait seulement deux membres qui étaient sauvés. Comme quoi? Il y aura des surprises. Caleb et Josué qui sont rentrés à Canaan. Les 10 autres là, ils ont été foudroyés. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils ont dit au peuple, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Parce que les enfants d'Anak étaient des géants. Vous vous rendez compte? La foi. Les gens qui vont prier de minuit à 4 du matin parce qu'ils ont peur des démons sorciers. Ils ont un problème avec la foi? Ils n'ont pas la foi? Ils ont remplacé la foi par une prière rituelle. Ils ont remplacé la foi par des jeûnes de 21 jours, 40 jours. Ils ont mis leur foi dans les jeûnes. Ils ont remplacé Dieu par les jeûnes. Ils ont remplacé Dieu par le parler en langue. Ils mettent des méthodes en disant, si vous parlez en langue pendant 3 heures, ça va marcher. Méthode, système. Donc, pour combattre ce combat, il faut savoir ce que c'est la foi. Parce que sinon, on ne peut pas combattre. Quand j'entends les chrétiens qui disent, oh, mais, tout ça, mais pourquoi il y a autant de scandales, autant de critiques, je dis, mais Dieu dit, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas, ils n'ont pas foi. Beaucoup ne sont pas enseignés, ça parce que c'est la vie chrétienne. Ils comprennent pas que la foi est un trésor que Satan veut détruire à tout prix. Quelqu'un qui a cette foi, eh ben, aura toujours de scandales, toujours de problèmes, de conflits sur conflits. Parce que le monde est entre les mains de l'ennemi pour l'instant. Parce que c'est un monde des ténèbres. Seigneur, sauve-nous. On vous met dans un bocal rempli de serpents. Hein? Rempli de serpents. Et vous avez avec vous, on va dire, une petite souris que tous les serpents veulent manger. Vous pensez dans ce bocal, là, vous allez dormir tranquillement. Vous pensez que vous allez avoir la paix selon le bocal, selon le monde. Mais c'est que vous n'avez rien compris. Donc tous ces chrétiens-là qui n'ont pas de combat, là, tous ces chrétiens qui ne sont pas traités de sorciers, magiciens, faux prophètes, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas foi. Pour savoir que vous avez la foi, la foi se mesure avec les combats. Si vous n'avez pas des preuves, vous n'avez pas la foi.
Comment voulez-vous savoir si vous avez la fièvre si on doit mettre le thermomètre? Si vous avez 39 degrés, 38 degrés, là, il y a la fièvre. Mais il faut que le thermomètre, c'est des épreuves pour savoir si vous avez la foi. Regardez comment les hommes... Donnez-moi le chapitre dans la Bible, un chapitre dans la Bible où il est question de la foi. C'est dans quel chapitre, quel livre? Hébreux chapitre 11. Les hommes là et les femmes dont il est question là-bas avaient foi, non? Ils ont fini comment? Il y en a, ils ont été sciés, lapidés, en prison. Ils se cachaient dans des cavernes, dans les antres de la terre, des trous de la terre. C'est écrit, non? On a dit à la fin quoi? Les hommes dont le monde n'était pas. Et vous voulez avec votre évangile être digne de ce monde? C'est que vous avez un problème. Qui commence à comprendre un peu ce que c'est la croix, la foi? Qui n'a pas compris ça comme ça là, un peu là? Voilà. Ça veut dire quoi? Le Seigneur dit malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. C'est écrit, le maître nous a enseigné. Mais comme beaucoup ont reçu l'enseignement de notre maître, quand les vrais enfants de Dieu sont persécutés, ils disent non, ils sont faux. C'est pas normal. Ils sont faux. Un pasteur venait me voir hier au bureau, il dit non, c'est pas normal, les gens parlent trop sur Internet contre toi, vraiment, ça décourage beaucoup de gens. Je dis, mais qui continue seulement à parler? C'est normal, c'est biblique. Ça prouve que j'ai la foi. Vous allez être enseigné autrement. Parce que le problème, c'est que vous êtes, beaucoup sont sortis des catholicismes romains, là, du catholicisme. Ils sont, c'est des religieux. Ils veulent avoir la foi catholique, selon l'église catholique romaine. Voilà le problème, où se situe le problème. Seigneur, sauve-nous. Un chrétien qui n'est pas persécuté, un chrétien qui est acclamé, il n'a pas foi. C'est un mélangé. C'est un panaché. Non, on ne va pas rire. C'est grave. Parce que, vous savez, je vais vous dire, les gens ne veulent pas être combattus. Paul a dit quoi? J'ai combattu le bon combat. C'est écrit! Il dit, j'ai combattu le bon combat. Déjà, il y a le bon combat. Déjà, il faut comprendre ce que c'est le bon combat. C'est le combat de la foi. Voilà. L'autre combat, là, tout ça, là, où se trouvent les démons, tout ça, où est le problème entre toi et les démons, c'est quoi? Quoi le problème? Pourquoi tu cherches à savoir où se trouvent les démons, tout ça, dans quelle ville, tout ça? C'est pas ton problème? Déjà, toi, tu as gardé jusqu'à ta mort la foi. Tel un trésor. Que tous ces voleurs veulent voler. Satan est un voleur? Ah oui? Sans la foi, tu vas chercher à avoir des partenaires financiers qui vont te dicter le message à prêcher. C'est le cas pour beaucoup de prédicateurs. Sans la foi, tu vas avoir des femmes qui vont vouloir te contrôler. Même des femmes, des collaborateurs. Sans la foi. La foi, je la définis comme la folie. Celui qui a la foi, il est fou. Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est la folie. Aller contrôler un fou. Quand j'entends des gens qui disent, frère, c'est compliqué, tout ça, papa, la dot, ma famille, tout ça, je dis, vous n'avez pas la foi. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que la foi, sans, ceux qui ont foi, Dieu les élève au-dessus des problèmes, au-dessus des hommes. Voyez? Parce qu'ils sont ressuscités et assis dans les cieux. Ils n'ont plus peur des menaces des hommes. Hein? Parce que la foi vient de la parole. La parole dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, toi, si tu as foi, là, pourquoi tu commences à avoir la peur de... Mais c'est quoi cette affaire-là? Il faut qu'on définisse d'abord la foi avant de parler du combat maintenant. Là. Le chapitre où il est question de la foi véritable, on l'a dit, hein, Hébreux 11. Allez méditer ça à la maison, vous allez voir comment ils ont fini. Allez voir. Moïse, on nous dit que Moïse a préféré l'opprobre de Christ, c'est-à-dire le fait que son nom soit sali. Il a regardé la richesse, l'or de l'Égypte comme de la boue, parce qu'il avait la foi.
Ésaïe, selon la tradition, on l'a scié en deux. On l'a mis dans un tronc d'arbre. Ils ont scié, tac, 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 ils ont coupé en deux. Jérémie, dans une citerne remplie de boue, jusqu'au cou. Il était là, comme ça, là, parce qu'il avait foi. Paul, prison. Pierre, prison. Selon la tradition, crucifié de tête en bas. Tous les 12 apôtres ont connu le martyr. Jean, il écrit, il était sur l'île de Patmos à cause de la parole du Seigneur. La foi. Nos églises ont perdu la foi. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs fonctionnaires, vous avez des prédicateurs fonctionnaires. Ils vont vous dire, mais comment voulez-vous gagner la jeunesse s'il n'y a pas le rap? Comment voulez-vous gagner la jeunesse s'il n'y a pas la danse? Ils n'ont plus foi. Parce que dans ce livre-là, on n'a pas dit que pour toucher la jeunesse, il faut la danse. Dieu n'a pas besoin d'aide. Vous ne pouvez pas aider le Créateur. Qui êtes-vous? Vous prenez pour qui? Il a dit qu'il va répandre son esprit sur la jeunesse. Et les gens auront des visions et des songes. Il n'a pas dit qu'il va répandre la danse pour gagner la jeunesse. C'est parce que Dieu a dit. Vous tordez les Écritures. Il n'a pas dit pour protéger une église, il faut être dans une fédération pour être protégé parce que les hommes le disent, parce que Satan le dit. La foi. C'est pour cela, très peu vont partir à l'enlèvement. Beaucoup vont rester. Le manque de foi pousse les gens à la compromission, à changer le message que Dieu leur a donné, à modifier les choses, à se conformer, à avoir un langage qui soit politiquement correct. Parce que plus la foi marche avec la vérité, parce que elle a sa source, là, sa racine, c'est la parole de vérité. Et les gens veulent modifier ça. Parfois, je nous vois pour avoir nos réponses parce qu'ils remplacent la parole par Chora, par les hommes. Chora a dit, il ne faut pas avoir ce langage-là. C'est pas ce que moi je vous enseigne. Si vous tenez ce langage-là, vous allez en enfer. Chora n'a pas inventé la Bible. C'est la Bible qui dit, c'est Dieu qui dit dans sa parole. C'est ce qu'il faut dire aux frères et sœurs. Les Écritures disent, Dieu dit. Si vous venez nous voir pour avoir notre approbation, pour valider vos péchés, vous n'avez rien compris. Dieu vous voit. Ah oui, frère. La foi. Allons voir la foi, Hébreux 11, le combat de la foi. On définit d'abord rapidement la foi. Dieu insiste là-dessus. Et puis après, on va parler de ce combat. Or, la foi représente les choses qu'on espère. Donc, dans la foi, il y a l'espérance. On définit la foi. L'espérance. L'espérance ne parle pas du présent. L'espérance parle du futur. Espérer, c'est avoir un futur. Donc, celui qui a la foi, celle qui a la foi, ne vit pas par rapport au présent, par rapport aux circonstances présentes, par rapport à ce que les gens disent présentement. Tu peux ne pas être ce que tu veux être présentement, mais tu vois loin. Celui qui a l'espérance, c'est comme un aigle. L'aigle a une vue perçante. Il voit de loin. C'est ça l'espérance. Je vois ce que les hommes ne voient pas. J'entends ce que les hommes n'entendent pas. C'est ça. Quand les gens disent que dans votre famille, il peut pas y avoir telle et telle chose, toi, tu te dis, en Christ, je ne suis pas concerné. Même si présentement, je n'ai rien, mais je sais qu'en esprit, j'ai tout. Parce que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, même si je n'ai pas pour l'instant, je sais que je le suis déjà en Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu n'as pas besoin de chercher encore une imposition des mains. Non. Grandissez. Et elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est démonstrative. Elle n'est pas morte. Elle se démontre. Jacques nous dit par les œuvres. C'est ça la foi. Donc tu ne te limites pas à la prédication. Il y a les actions. Hier, une femme dormait ici. Là, Dieu dit, il faut l'amener. Le démon est sorti. Vous avez vu, non? C'est ça la foi. C'est ça. C'est pour ça que ceux qui prêchent là, s'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas l'onction, il ne faut pas les écouter. Ils vont vous tuer.
S'ils sont assis sur leur canapé, là, si vous les écoutez à vie, là, tout ça, c'est la mort. Il faut qu'il y ait la foi. Je parle et les choses se manifestent. Dieu dit au commencement que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Dieu dit que la terre apparaisse, la terre apparut. Dieu dit que c'est ça, les choses. Créons l'homme à notre image, l'homme est sorti de la terre. C'est ça la foi. Je parle et les choses se manifestent. Pourquoi? Parce que je suis en contact avec mon Père. Je suis connecté au nom de Yeshua. C'est ça la foi. C'est pour ça que Satan combat cette foi-là. Parce qu'il sait que nous sommes des démonstrateurs. Nous sommes sur terre par notre Père céleste. Il nous a laissés sur terre pour démontrer sa puissance. Pour révéler au monde sa gloire. Nous parlons et les choses se manifestent, frères et sœurs. C'est ça les choses. C'est ça la foi. Vous comprenez? Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc dans la foi, il y a le témoignage. Quel témoignage? C'est Dieu qui témoigne. C'est d'abord Dieu qui témoigne. Même si tout le monde témoigne contre toi. Mais Dieu, parce que tu as foi en lui. Parce que Dieu, tu as vu comment tu crains sa parole. Comment tu as reçu sa parole, Dieu va témoigner. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. C'est celui que Dieu recommande. C'est-à-dire même si tout le monde n'est pas d'accord. Mais parce que Dieu t'approuve, il finira par t'imposer aux hommes. C'est ça la foi. Il va imposer ta présence. Alors que tout le monde demandera ta mort, Dieu leur dira, il ne mourra pas. Et David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'aurai, c'est ça la foi de Yahweh. Tu comprends la foi là, mes amis là? Je veux quelqu'un ici là, qui avait perdu sa foi là. Je veux que sa foi là soit ranimée au nom de Yeshua. Alléluia. Que quelqu'un qui est combattu, rejeté, alléluia, blessé par les hommes, se retrouve reconquis, boosté, réveillé, encouragé. Jesus. Jesus. Ouh. Il y a quelque chose ici là. Oh, il y a quelque chose ici là. Oh mon Dieu. La foi ne concerne pas ton sexe, ton genre, femme ou pas. Homme ou pas, si tu as la foi, tu es au-dessus de cette considération-là. C'est ça la foi. Tu peux être missionnaire en tant que femme. Aller dans des coins reculés là où Dieu t'envoie. Parce que tu as la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Jesus Christ. Alors ne laisse personne t'étouffer. Ne laisse personne t'enfermer. Personne étouffer ce que tu as mis en toi. Ne laisse personne. Jesus. Il y a le témoignage. Dieu dit à Satan, tu as vu Job, c'est mon serviteur. Dieu va témoigner de toi auprès des démons. Et les démons vont parler entre eux, ils vont dire, cette femme-là, Dieu la connaît. Cette femme-là, Dieu la voit. Cet homme-là, Dieu le voit. Cette femme-là. Jesus Christ. Wouh! Oh, ya, 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 ya. Il y a des choses ici, là. Dieu va donner des visions te concernant à tes ennemis. Le témoignage que Dieu rendrait de toi obligera tes ennemis à te demander pardon. Obligera tes ennemis à se plier. Ah, aïe, 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 aïe. Jesus. Un homme peut témoigner, c'est bien. Une femme peut témoigner. Mais quand Dieu témoigne, les anges t'accompagnent. Quand Dieu témoigne, l'onction t'accompagne. Quand Dieu témoigne, la gloire t'accompagne. Quand Dieu témoigne, les miracles s'opèrent. Les miracles t'accompagnent. Jean dit, si nous avons reçu le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Parce qu'il a rendu témoignage à son fils. Il a ressuscité les morts. C'est ce qui se passe avec toi. Il va témoigner dans ta famille. Il va dire aux sociaux de ta famille, celle-là, vous ne pouvez pas la tuer. Parce qu'elle est mienne. Celui-là, vous ne pouvez pas le manger. Parce qu'il est à moi. Il va dire aux autorités, celle-là, elle est intouchable. Celui-là, il est intouchable. Shadrach, Meshach, Abednego ont rendu, Dieu a rendu témoignage de ces hommes-là. On les a vus dans une fournaise de feu. Oh, le roi Nebuchadnezzar a dit, n'avons-nous pas jeté trois personnes? Mais je vois un quatrième homme. Je vois que cet homme ressemble au fils de l'homme. Jesus Christ, alléluia. Dieu va témoigner de ton appel. Il va témoigner, il va dire, c'est moi qui l'ai oint. C'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est ça la foi. Et Satan ne veut pas que Dieu témoigne de toi. Voilà pourquoi il veut détruire ta foi. Jesus Christ. Alléluia. Dieu, quand il témoigne, il impose. Il va imposer ta personne
à cette génération. Il va imposer ta vie. Il va imposer ton ministère, ton appel. Il va imposer ta famille. C'est comme ça. Qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est lui qui... Oh, alléluia. Tu comprends? C'est ça la foi. Voilà pourquoi je témoignais. Il disait, vous avez vu Job? Vous avez vu Daniel? Vous avez vu Esaïe? Il témoignait. Jesus. C'est ça la foi. Il y a l'espérance, il y a la démonstration, il y a le témoignage. Il a dit à Ananias, va voir Saul. C'est un instrument que je choisis. Littéralement, c'est un vase. Ananias dit, cet homme a tué tes enfants. Il dit, non, je l'ai changé. Ils vont changer de langage. Parce que tu as foi en Dieu. Ils vont changer de langage. Parce que Dieu témoigne de toi. La vipère peut te mordre. Les barbares vont attendre longtemps. Oh, alléluia. Le venin ne va pas te tuer. Jesus Christ. Il y a des attaques qui ne tuent pas. Il y a des critiques qui ne tuent pas. Ça élève les enfants de Dieu. Jesus Christ. La foi. Oh, alléluia. Jesus. Ne vis plus par rapport à ce que les hommes disent, à ce que le médecin a dit. Ne vis plus par rapport à ce que tu vis actuellement là. Ça, ce n'est pas la foi. Fais comme si tu étais déjà mort. Effectivement, tu es. La parole dit que nous sommes morts, morts, morts au péché. Il faut que tu meurs. Il faut que tu. Tes oreilles là n'entendent plus ce que les hommes disent. Quand tu entends, tu dis, Seigneur, je t'ai déjà entendu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que tu as entendu? Tout est possible à celui qui croit. C'est ça la foi. Qu'est-ce que tu as entendu? Ton Dieu règne. Qu'est-ce que tu as entendu? Il est vivant. Qu'est-ce que tu as entendu? Il a vaincu la mort. C'est ça la foi. Jesus. Quand Dieu témoigne de toi, là, quand il commence à témoigner, les démons de ton quartier, là, de ta ville, de ton pays, ils vont savoir. Ils vont savoir qu'il y a dans ce pays-là, il y a quelqu'un là-bas. Là. C'est le fils du Créateur. Il témoigne à chaque fois. C'est ça la foi. Oh, Jesus Christ. Vous avez vu? Par la foi, nous comprenons que les âges ont été faits par la parole de Dieu. Les âges, les siècles, le monde, l'univers, par la foi, nous comprenons. Ça veut dire quoi? Sans la foi, tu ne peux pas comprendre Dieu. Ah oui. Donc, dans la foi, il y a quoi? Il y a l'espérance, il y a la démonstration, il y a le témoignage et il y a la compréhension. Bah oui. Ouh, Jesus. Tu vois, non? La compréhension. C'est-à-dire, tu vas comprendre le langage de Dieu. Ah oui, frère. Tu vas comprendre ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Paul dit, l'homme spirituel a la pensée de Dieu. C'est ça la foi. Tu comprends le message du temps. Tu comprends le langage de Dieu. Quand tout le monde dit, c'est faux, c'est l'antéchrist. Il dit, oh, moi j'ai compris. On va te trouver fou. On dit, comment toi tu peux écouter ça? Frère, j'ai compris parce que j'ai la foi. Il faut la foi pour comprendre le langage de Dieu parce que Dieu parle. Dieu n'est pas un homme. Il est esprit. Jesus. Tu comprends Dieu. La foi avec la foi te permet de comprendre. Parce que Dieu ne va pas être compris par les hommes. Non. Il dit à Pierre, ils arrivent quelque part pour payer le péage. Là. Quelqu'un qui, il y avait un péager qui était là. Il dit à Pierre, votre maître, ne paye-t-il pas tout ça, l'impôt, tout ça? Le Seigneur dit, Pierre, viens. Prends l'hameçon. Va à la pêche. Le premier poisson qui arrive, tu ouvres sa gueule. Tu prends deux pièces. Et tu leur donnes. Une pour toi et une pour moi. Pierre est né dans la pêche. Il a grandi dans la pêche. Il n'a jamais vu un poisson dans lequel il y avait de l'argent. Mais là, il a compris le langage. Il partait à la pêche. On lui posait la question, certainement, tu vas où? Il dit, je vais chercher l'argent. Où? Mais les banques sont derrière toi. Il dit, non, il y a une banque qui se trouve dans l'eau. On dit Pierre. Ah
comme Jésus. Aïe, 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 aïe. Ah, il est fort. Il aurait pu être découragé par les gens qui pouvaient lui dire, toi, tu es né dans la pêche. Tu n'as jamais pêché un poisson dans lequel tu as trouvé de l'argent. Ne suis pas cet homme qui n'a pas fini son apprentissage en tant que charpentier. Même ses frères le trouvent fou. Et toi, monsieur, comme ça, marié, père des enfants, si tu avais une femme, sa belle-mère, une fois, était malade, le sang l'a guéri. Toi, en tant que grand un père, comme ça, tu vas chercher l'argent dans l'eau. C'est quel type de poisson? La dorade? Un requin? C'est quoi? Mais Paul, Pierre a gardé son hameçon. Il y a des gens, il faut pas les écouter. Continue ta marche. Garde la foi. La foi va t'amener au poisson. Jesus. Ces deux pièces, venez d'où? Dieu seul le sait. Il le maître des temps et des circonstances. Il a donné l'ordre au poisson. Le poisson, oui maître, va là-bas. Pierre t'attend. Il n'a pas dit à Pierre, faut prendre ce poisson, faut le griller, tout ça là. Faut mettre à la braise. Non, tu prends les deux, tu laisses le poisson après. Le maître. Le langage de Dieu. Les gens viennent à Élisée. Oh, lâche là. Lâche avait été emprunté tout ça. On l'a emprunté tout ça. Lâche est tombé dans l'eau. Montre-moi l'endroit où cet instrument est tombé dans l'eau. Montre-moi l'endroit. Il dit, donnez-moi un bout de bois. Un bout de bois. Hein? Un bout de bois. Papa, une hache. Vous avez vu la différence là? De poids. Il a jeté ça. Imagine le langage. Il dit à Moïse, oui, viens. Tu étais égyptien, oui. Tu es né en Égypte, oui. Tu as gagné là-bas, oui. Tu es sorti à l'âge de 40 ans, oui. Tu connais l'armée de Pharaon, oui. C'est la plus puissante armée du monde à l'époque, oui. Il dit, viens. Tu as libéré mon peuple. Mais fais quoi? Bazooka? Non. Il dit, prends ton bâton là que tu as là, que tu connais. Il dit, mais c'est mon bâton, je connais, je suis habitué avec ce bâton. Il dit, il faut prendre ça, c'est l'arme. Tiens, tu faisais la foi. Alléluia! Moïse repart là-bas. À quel âge? 80 ans. Dieu envoie un vieillard avec un bâton pour libérer tout un peuple. Il a envoyé un vieillard avec son bâton. 80 ans fatigué. Il dit, c'est toi. Moïse arrive à l'Égypte. Moïse appelle le peuple. Tout le monde venait. Oh, c'est la délivrance. Mais avec quelle armée? Avec quelle arme? Parce que Pharaon, là, ils ont des chars, tout ça. Là. Il dit, c'est avec ce bâton. Mais la foi ne s'arrête pas seulement à la parole. Il a démontré. Il jette le bâton. Serpent. Posez-moi la question, pourquoi le serpent? C'était l'animal le plus craint là-bas. Ah bah oui. Et il a attrapé où? À quel niveau? Pourquoi la tête? Pourquoi pas la tête? Pour la queue. Quand tu attrapes un serpent au niveau de la queue, il se retourne et te mord. Alors logiquement, on attrape les serpents au niveau de la tête. Mais Dieu a voulu montrer aux gens que ce serpent, on peut l'attraper au niveau de la queue. C'est fini, il n'y a rien à faire. Il ne peut rien faire. Il attrape là. Le bâton redevient, le serpent redevient bâton. Il dit, vous avez vu la puissance? C'est bon, on y va. La foi. Ils arrivent devant la mer rouge. La mer, pas de pont, pas de tunnel, pas de bateau, rien. Et derrière l'armée de Pharaon, ils étaient pris en sandwich. Comme un sandwich. Vous avez vu? Ah ah. Et Dieu le fait pleurer. Dieu garde le silence. Mais vous, comment veux-tu qu'on garde le silence avec tout ça? Alléluia! Il dit, Moïse, quand tu as la main, arrête de crier. Prends ton bâton, frappe-le. Quoi? L'eau sépare en deux. Sépare en deux, frère. Je vous dis une chose. Posez-moi la question. Pourquoi en deux? Dieu est l'architecte par excellence. Pendant la traversée, il y avait deux aquariums. Les poissons regardaient les peuples, le peuple traversait. Les requins regardaient aussi. Mais le peuple admirait en même temps la beauté. Acclame Dieu. Alléluia! Tiens, ton voisin, la parole! La parole! Wow! The
Alors, pendant la traversée, pour ne pas être stressé par la pression de Pharaon, Dieu a mis la beauté de la création. Les poissons qui nagent comme ça devant eux. Bonjour, bonjour. Papa, regarde ce poisson-là, t'as vu comment il est beau? J'ai jamais vu ce poisson. Oh, ouais, il est beau celui-là. Notre Père Céleste. T'as compris la foi? Il y a quoi dans la foi? L'espérance, deuxièmement. La démonstration, troisièmement. Le témoignage, et ensuite, la compréhension. Comment voulez-vous comprendre les hommes et les femmes de la foi, les hommes et les femmes qui ont la foi, hein, qui ont foi en Dieu, si vous n'avez pas foi vous-même? Comment voulez-vous collaborer avec des gens qui n'ont pas foi? Ils vont vous retarder. Quand Dieu vous dira sauter, ils vont dire non, non, il n'y a rien, en dessous, il n'y a rien. Toi, tu vois le vent, eux, ils ne voient rien. Tu le vois, le vent va me porter. Hein? Ah non, non, on ne voit pas le vent là. Bon, on ne voit pas le vent. Non, mais il est là, non, je ne vois pas. La foi. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice. Cinquièmement, il y a quoi? Dans la foi, on a vu quoi? Il y a quoi? Il y a l'espérance. Deuxièmement, il y a quoi? Troisièmement, il y a quoi? Le témoignage. Hein? Ensuite? Cinquièmement? Sacrifice. Ah oui, la foi. Quel sacrifice? L'Holocauste. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu sois sacrifié, tu te sacrifies à Dieu. Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ah oui. C'est pour cela que Satan t'attaque. Parce que si tu t'offres à Dieu totalement, aucun homme ne va plus te contrôler. Ben oui. Celui ou celle qui veut être utilisé puissamment par Dieu doit être totalement sacrifié à lui. Ben oui. Voyez? C'est parce qu'Abraham avait foi en Dieu qu'il a sacrifié son fils. Donc dans la foi, il y a le sacrifice. D'abord de nos vies. Parfois je suis là, on me donne 200 euros, Dieu me dit, donne-toi à telle personne. Je dis, Seigneur, mais tout ce que j'ai pour le coup, il donne. Il dit, tiens, mon frère. Et le lendemain, tac, quelqu'un vient, 300 euros. Ah, Seigneur, Dieu, non. Vous pouvez lui faire confiance. Moi, vous ne pouvez pas me faire confiance, ça c'est sûr. Je suis un homme, je peux vous décevoir. Je ne peux pas vous dire, je vous appelle à midi et j'oublie. Je suis un homme. Ce n'est pas que je vais mentir, mais j'ai oublié. Mais il a promis, ouais, mais je suis un homme. Je peux oublier. J'ai des combats aussi. Mais Dieu, ah non. On peut lui faire un bisou. Hein? Moi, papa! Faut pas avoir honte de faire des bisous à notre père. Hein. Il le mérite. Et là, il nous regarde. Ah oui. Faut qu'il soit à sa place de Dieu dans nos cœurs là. C'est ça. C'est ça. Le sacrifice. Et là, c'est là que ça coince. Parce qu'on ne veut pas totalement tout donner. La foi. Regardez. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, et par elle, il obtint le témoignage d'être juste, parce que Dieu rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous vous rendez compte? Avec la foi, même après ta mort, tes œuvres ont continué à parler. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu aies foi. Voilà pourquoi il veut te détruire. Ça veut dire quoi? Imagine, après ta mort, les œuvres que tu auras faites pour le Seigneur vont continuer à gagner des âmes. Seigneur, ça te va être en colère encore des âmes qui sont gagnées, mais il ne peut plus t'atteindre parce que tu es au ciel. Ah non! C'est pour cela qu'il faut bosser pour Dieu.
après notre mort, là, on va continuer à lire la Bible. C'est trop tard. Faites les œuvres du Seigneur, ne vous découragez pas. Voilà, femme ou pas, travaillez pour le maître. Il vous met à cœur de faire, de mettre en place des orphelinats, tout ça, d'aller nourrir les pauvres, faites. D'écrire des livres, tout ça, la faites, de témoigner, écrire, faites les choses. N'écoutez pas les gens qui sont là, vous vous dites, vous savez, tout ça, faites. On est là pour vous encourager de faire exactement ce que Dieu vous dit, parce que les hommes vous disent ce que la chair dit. Vous voyez, non? Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Vous voyez? Sans la foi, on ne pourra pas être enlevé. Voilà. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Voilà. C'est terrible. Celui qui a, ceux qui ont foi en Dieu, Dieu les paye. Il va vous payer, il va vous rémunérer. Mais ça, c'est magnifique. Moi, il me paye. Je vous assure, frère. Les gens pensent que j'ai des millions. Je vous assure. Il y a même ceux qui m'approchent là, il y en a qui disent, non, mais il a des... Frère, c'est faux. Mais il ne peut pas te croire. T'as beau dire. Mais je leur pose la question. Hein. Est-ce que je prends l'argent? Vous avez eu à gérer les associations que je vous ai confiées. L'argent. Est-ce que je vais aller vous voir pour vous demander, la carte bleue? Demandez-leur. Ah. Mais va vous dire, il a beaucoup d'argent. Mais comment vous le savez? Mais on le sait, il a beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous avez déjà vu cet argent-là? Non, on sait qu'il a beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez vu cet argent? Non, on sait. Pourquoi? Dites-toi que Dieu paye. Dieu rémunère. C'est ça? Non, notre papa est fidèle. Je vous assure. Moi, parfois, il y a des gens qui viennent comme ça. Frère, Dieu m'a mis à cœur d'aller. Il nous a mis à cœur d'aller dans tel pays. Frère, Dieu leur. Parce que ces gens-là craignent le Seigneur. Dieu est leur rémunérateur. Et Dieu me dit, tu vois, les 200 que tu as là. Les 300 là. Hein? Que je te demande de mettre à part là. Eh bien, c'est pour elle. Dieu paye. Et parfois, il t'oblige, il dit, il faut organise-toi pour que ces personnes aient encore plus d'argent pour la mission que je leur ai confiée. Dieu paye. C'est pour ça qu'il ne faut pas se compromettre. Par la foi, Noé, ayant été divinement averti de choses qu'il ne se voyait pas encore, craignit. Dans la foi, il y a la crainte de Dieu. Satan ne veut pas que tu craignes Dieu. Voilà pourquoi il va t'attaquer, il va te combattre. Frère, c'est terrible. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La haine du divorce et remariage. Non! Donc, ceux qui pêchent là, ils n'ont pas foi. Ils ont la croyance, comme tout le monde, parce que tout homme est croyant. Satan même est croyant. Les démons sont croyants. Jacques dit quoi? Tu fais bien de croire. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils trament. La foi, c'est la confiance en Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi en tant qu'homme. Je crois à son œuvre expiatoire. Et je crois que cette œuvre-là me donne les moyens pour me sanctifier. Donc, je ne veux plus pécher volontairement. C'est terrible. Par la foi, Abraham étant appelé obéi. Dans la foi 7, il y a l'obéissance. Qui n'a jamais vu la foi comme ça? Dieu nous permet de décortiquer la foi. Même moi-même qui vous parle, c'est la première fois que je vois ça. Pour vous montrer que ce n'est pas moi qui enseigne. À Dieu toute la gloire. Il y a l'obéissance. Dieu veut que nous soyons des enfants obéissants. Le contrôle de l'obéissance, c'est quoi? La désobéissance, l'incrédulité, la résistance. L'orgueil. Voyez?
et il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon Dieu. Ben oui, par la foi, nous devenons des héritiers. Hein? On va hériter hein, des choses. 8, il y a l'héritage. Ben oui, parce qu'il nous a promis la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem. On ne peut pas hériter ces choses-là sans la foi. Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise. 9, la foi nous fait comprendre. Par la foi, nous comprenons que nous sommes étrangers et voyageurs. Hein? Sur la terre, étrangers. Or, Satan ne veut pas que nous comprenions ces choses-là. C'est pour cela qu'il veut que les gens prêchent la prospérité financière comme s'ils allaient demeurer sur terre éternellement. Vous comprenez? Et un jour comme ça, la mort les attrape et ils partent. Et ils n'ont pas eu le temps de se préparer pour l'au-delà. Mais quand on a la foi, on va comprendre que l'on est étranger et voyageur sur terre. Donc vous comprenez pourquoi Satan attaque la foi. Donc quand s'il attaque la foi, il attaque toutes ces choses-là. C'est terrible, hein? Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc c'est l'espérance, bien sûr, tout ça. Par la foi aussi, Sarah reçut la force de concevoir un enfant. Et elle enfanta hors d'âge parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis était fidèle. Voilà. Donc la foi, elle est démonstrative. Hein, donc elle va enfanter. C'est ça la foi. Voilà, la démonstration. Et regardez verset 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Waouh! C'est-à-dire, même pendant qu'on les persécutait, pendant qu'on les brûlait vifs, pendant qu'on les lapidait, ils avaient toujours gardé la foi. Parce qu'ils avaient compris la foi est plus que. La foi parle plus des choses à venir que des choses présentes. Waouh, frères et sœurs. Et imaginez un tel chrétien. Un chrétien qui comprend les choses comme ça. Quoi que les gens disent sur lui. Quoi que les gens fassent. Qu'il ait des voitures ou pas. Qu'il ait une maison ou pas. Il ne baisse pas les bras. Vous vous rendez compte? C'est ça l'évangile. Car ceux qui tiennent ce discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Et certes, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce qu'il leur a préparé une cité. Par la foi, Dieu devient notre Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire Dieu est fier d'être appelé le Dieu de telle personne. Vous vous rendez compte? C'est pour cela que lui-même il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, d'Israël. Donc Dieu peut te dire, je suis le Dieu de Marie-Thérèse. Je suis le Dieu de Anne-Marie. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Mais c'est terrible, la foi. Ben oui. C'est-à-dire, Dieu, il colle ton nom à son nom. Oh non, 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 vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, Abraham est mort. Mais Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac qui était mort. Et d'Israël, il le dit encore aujourd'hui. Imagine, tu meurs. Et Dieu va dire à quelqu'un, je suis le Dieu de tel. On dit, mais la sœur est déjà morte. Oui. Mais je suis son Dieu. Pourquoi? Parce que pour lui, Abraham, Isaac, Israël, Jacob, tous les prophètes, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours en vie. C'est ce que Jésus dit. Vous vous rendez compte? Donc, il témoigne de toi après ta mort. En acceptant de se coller à toi, à ton témoignage. Non. Et vous pensez que Satan va croiser les bras? Jésus sauve-nous. Non, quel Dieu avons-nous?
C'est pour cela que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Par la foi, Abraham étant éprouvé, 11, parle avec la foi, les épreuves. Aha! Il y a les épreuves, les critiques, la calomnie, tout ça là. On va vous salir. On va salir votre témoignage. On va vous inventer des histoires. Tout ça. L'objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est de vous faire peur pour que vous ne parliez plus. Parce qu'il veut vous museler, vous faire taire. Ben oui. Parce que vous tenez encore à votre propre témoignage, hein, parce que alors c'est l'orgueil. Ah, mon image. Ben oui. Seigneur, sauve-nous. Qui réalise qu'il n'avait pas vraiment foi, là? Vous vous rendez compte? L'élément le plus important de la marche chrétienne, de la vie chrétienne, on ne l'a pas compris. C'est la base. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac. On a parlé de sacrifice, non? Ben oui. On va offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac, celui qui avait reçu les promesses. Offrit même son fils unique. Dieu avait dit qu'Isaac avait allé, n'est-ce pas, hériter d'Abraham, allait continuer l'œuvre d'Abraham. Pourtant, le même Dieu vient dire à Abraham, donne-le-moi. Il aurait pu dire, qui va me remplacer? Mon successeur, tu le prends. Mais là, je suis fini. Il dit, non, ce Dieu-là est capable de ramener mon fils. Là. Alors qu'il n'avait jamais vu une résurrection. Mais il a cru que Dieu est capable de le faire. Même si tu n'as jamais vu un œil pousser, crois que Dieu peut le faire. Waouh! Non, Jésus, t'es trop fort. Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Jacob. Dans la foi, il y a la bénédiction, la vraie bénédiction 12. Pas la bénédiction matérielle, financière, tout ça là. Bénédiction spirituelle. C'est-à-dire, tu es béni, personne ne peut te maudire. Si tu as la foi, si tu as foi en Dieu, aucune malédiction ne peut t'atteindre. C'est fini, c'est trop tard. Parce que tu as foi en Dieu. Ils peuvent te maudire matin, midi, soir. Ils peuvent faire des incantations, tout ça là. C'est fini. Ça va ricocher. Ça ne va pas t'atteindre. Ni toi, ni tes enfants. Parce qu'un homme béni, sa maison est bénie. Ah! Oh! Hallelujah! Jesus. Jésus a dit quoi? Si vous entrez dans une maison et que cette maison, hein, si les habitants, les gens de cette maison sont dignes de moi, que votre paix soit sur eux. Vrai ou faux? Mais ta maison à toi où tu habites là, elle est digne parce que cette maison t'a accepté. Tes enfants t'ont accepté en tant que mère. Donc comme tu es une femme bénie, parce que tu as foi en Dieu, qui peut maudire tes enfants? Oh Seigneur, sauve-nous, éclaire-nous. Jesus. C'est pour cela, Paul dit, crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh frère, quand tu es chez toi, là, dors en paix. La bénédiction sur tes enfants. J'ai entendu, ils vont grandir, ils vont servir le Seigneur. Je te dis. Ne viens pas me voir, tu es déjà béni. Non, viens prier pour moi. Maintenant, je ne viendrai pas. Non, c'est un faux pasteur. Non. Non, il ne s'occupe pas des brebis. Mais moi, toi et moi, nous sommes des brebis, non? Ben alors. Dis à ton voisin, Chorey est une brebis. Dis-lui ça, un agneau. C'est encore plus. Voilà. L'agneau, là, c'est l'enfant, là. Ben alors. Toi, tu veux l'agneau, là. Tu dis, c'est toi, mon berger. Non. Yahweh est notre berger, nous tous. Alléluia! Un bisou encore au berger, moi! Voilà!
Vous êtes déjà béni, vous voulez encore qu'on bénisse vos mariages. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose là. Attends. Qui a béni qui ici là? Posez-moi la question. Qui a béni qui ici là? Qui a béni qui? Jacob a béni qui? Il a béni qui? Ses enfants, vrai ou faux? Mais toi, en tant que mère, là, si ta femme, si ta fille se marie, qui va bénir ta fille? C'est un pasteur? C'est Chora? Mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Tes enfants se marient, c'est toi le père. Tu viens te dire, voilà, je suis un homme de Dieu. Je suis, maman, aïe. Je vous bénis. C'est ça, ça s'arrête là. Est-ce que c'est écrit qu'Abraham est allé chercher quelque chose pour, quelqu'un pour bénir ses enfants? Est-ce que c'est moi qui ai porté, qui a engendré ton fils là? Alors? Qui a porté ton enfant là? Pendant 9 mois. Et qui peut bénir le fruit de tes entrailles là? Alléluia! Voilà ta fonction! Voilà ta position! Alléluia! Qui est libéré ce soir? Qui est délivré ce soir? Gloire à Dieu! Vous connaîtrez la vérité et la vérité! Donc ne m'amène pas tes enfants là, ne m'amène pas vos enfants pour que je les bénisse là. Toi, chrétienne, aligne tes enfants là. Prends ta Bible. Je suis une femme de Dieu. Un homme de Dieu. Là, c'est toi. Hein? Oh, Satan, écoute-moi bien. Dieu m'a béni. Éphésiens 1:3 dit, nous sommes bénis. Le Père nous a bénis. De toute bénédiction spirituelle. On n'a pas dit de quelques bénédictions. Toute bénédiction. Où? En qui? En Sora. Ben alors, qui a Christ en lui? Qui a Christ en lui? Et qui est en Christ? Alors, tu prends ta main. Là. Mon fils aîné vient ici, là. Tant. Le deuxième, tant. Le troisième, tant. Le quatrième, tant. Au nom de... Alléluia! Ben alors... Une mère, déjà de par sa fonction, sa position, même si elle n'est pas chrétienne, elle peut quand même bénir sa famille. Parce que naturellement, elle a cette autorité-là. Et si elle est chrétienne, c'est encore terrible. Alors, et vous laissez ça, vous allez voir les bishops pour bénir vos enfants. Jesus. Ça va même pas ça. Oh Dieu. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par son père et par sa mère. Parce qu'il vit que l'enfant est beau. Et il ne craignait pas l'ordre du roi. Par la foi nous donne l'audace pour résister aux lois antichrist. On dit non, nous, c'est homme avec femme. On bénit les autres, attention. On dit non, c'est leur. Ils veulent faire ça, c'est eux. On ne va pas les lapider. Mais nous, nous disons oui à la vérité. La foi. L'audace. 12. 13. Jesus Christ. Quand les pharisiens ont dit aux apôtres, ne prêchez plus au nom de Yeshua, ne prêchez plus au nom de Jésus-Christ, ils ont dit non, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Voyez l'audace là. Oh, yo. Et ils ont dit non, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus-Christ. Ceux qui sont avec Christ, ils sont contaminés. Ils deviennent fous. Quand les bishops disent, nous on veut la dîme, non, la dîme c'est la loi. Nous ne pouvons plus prêcher, je prêcherai la vérité. Voyez non? Ah. On a fini presque. Vous voyez, on n'a même pas parlé encore d'autres combats. Là, on est en train seulement de définir la foi. Le message a changé. Alléluia! Oh Seigneur, par la foi, Moïse est devenu grand. Par la foi, Dieu, la foi t'amène à la grandeur. Oh, quelqu'un n'a pas compris.
Ça, c'est 14 ou 15? 14. La foi t'amène à la grandeur. Ne cherche pas à être élevé par Sora. Parce qu'il peut te rabaisser. Psaume 113:7 nous dit, Dieu, il retire le pauvre. Hein? Il retire le pauvre de la poussière, l'indigent de la boue, pour le faire asseoir avec les nobles ou les grands de son peuple. Mes amis, là, par la foi, tu seras comme Gecko, le lézard, là. Tu vas te retrouver dans les maisons de rois. Ce n'est pas pour manger avec eux, c'est pour leur dire la vérité. Vous avez vu le moustique? La petite bête, là. Le moustique est partout. On met les militaires là avec Kalachnikov, le moustique rentre. La foi. Alléluia. Jesus. On nous dit quoi? Le plus grand parmi les hommes, l'homme le plus grand de tout le temps, c'est qui? Jean-Baptiste, plus grand qu'Abraham. On nous dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a des grands. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu veut faire de toi un grand. La grandeur consiste en quoi? Dans le service. Plus Dieu t'élève, plus tu vas servir les hommes. Tu vas être le diacre de tout le monde. Tu vas balayer, tu vas nourrir les gens. C'est ça la grandeur. Tu vois, non? Par la foi. Il y a des gens, Satan, quand il le voit, il dit non, celui-là, là, c'est un grand. Il y a des anges, il y a des archanges. Dans le royaume de Dieu, il y a des femmes. Vous les minimisez, mais ce sont des femmes, ce sont des grandes femmes. La Bible parle de femmes de distinction. C'est écrit ou pas là? Frères et sœurs, par la foi, petit physiquement, grand physiquement, mais géant dans le royaume. Toi, tu ne te vois pas. On te persécute, tu pleures parce que Dieu veut que tu sois humble. Mais quand tu prends le métro, là, tous les démons, il y a un grand. Alléluia! Moïse devenu grand. Ah non. On dit comment? Par la foi. C'est écrit, non? Par, c'est le moyen. Par le moyen. On n'a pas dit par l'argent, tu vas devenir grand. Non. Tu peux me côtoyer matin, midi, soir. C'est pas pour autant que tu seras élevé. Tu peux me donner ton argent. C'est pas pour autant que Dieu va t'élever. Mais la foi. Je vous dis une chose. Nous sommes dans un royaume, vrai ou faux? Dans un royaume, il y a des commandos, vrai ou faux? Des généraux, vrai ou faux? Vous avez des généraux? Ici, il y a des généraux. Vous le voyez, vous les minimisez, mais c'est ça les généraux. Dieu sait que c'est des femmes de foi. Ces femmes-là, quand tu as pris, tout. Non, la parole là. Pourquoi j'ai jamais vu ces choses-là avant? Par la foi, Moïse devenu grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon. Par la foi, ça c'est une autre chose. C'est 16, non? 15, par la foi, nous refusons la compromission, la filiation humaine. On refuse ça au fils de... Non, c'est pas ça, là. Fils de la fille de Pharaon, là. Ça c'est humain, là. On ne veut pas de cette filiation, là. On ne veut pas la richesse de l'Égypte. On refuse ça par la foi. Oh, fils de, ton père est qui? Ta mère est qui? Moi, mon père est céleste. Tu vois, non? La foi. La foi, par la foi, nous renonçons aux choses de ce monde, en fait, en gros. C'est le renoncement. C'est une forme de sacrifice, oui. Le renoncement. Oh, donne-moi, tu sais, moi, je suis africain, je suis congolais, je suis antillais, tout ça, là. Toi, t'es encore dans ces considérations-là? Ah, je suis noir, vous savez, je suis blanc, je suis métisse. Non, c'est quoi cette mentalité-là? Cette supériorité-là de race, tout ça, les noirs plus grands que les blancs, les noirs les blancs plus grands que les noirs. C'est pas ça, mes amis, là. Non, il est antillais. Ah non, c'est pas. Il est africain. Vous êtes encore dans ces considérations? Moïse a refusé ça. Parce qu'il avait foi. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse. Vous voyez la vraie richesse? C'est ça. L'opprobre, la croix. Donc, par la foi, il y a la croix. L'opprobre, c'est la foi, la croix. Donc, on revient encore au sacrifice, en gros. L'opprobre.
les critiques, tout ça là. Par la foi, il quitta l'Égypte. Par la foi, nous quittons le monde. La sortie de l'Égypte. Ça, c'est un autre point, vous le notez. Par la foi, nous sortons. La foi nous permet de sortir du monde. Des traditions. Ah. Des coutumes. De la dot. Par la foi. Vous avez peur de manger si vous ne payez pas la dot. Mais par la foi, vous sortez de cette peur-là. Voilà. Vous voyez? Bah oui, par la foi, il a quitté l'Égypte. Tout ça, c'est l'Égypte. Mon Dieu, j'avais jamais vu les choses comme ça. Cette vidéo-là, il faut bien la diffuser. Hein. Comment voulez-vous quitter le monde si vous n'avez pas foi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas quitter le monde sans la foi. Parce que la foi, c'est l'espérance. Donc, si vous... Imagine quelqu'un qui s'arrête sur la beauté apparente du monde. Comment voulez-vous qu'il quitte ce monde-là? S'il n'a pas vu, avec les yeux spirituels, le monde véritable, le vrai monde, le ciel, il ne peut pas quitter. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. On l'a vu, hein, l'audace. Il demeura ferme. La foi, c'est la fermeté. Oh, Jesus, vous notez ce point-là. C'est la fermeté, c'est la constance. On reste ferme sur sa position. Dieu a dit, tu ne tueras pas, je ne tuerai pas, je ne veux pas avorter. Même s'il y a la pression, je garderai cet enfant-là. Et bien sûr, on ne va pas pécher. Tomber enceinte si on n'a pas, si on a foi. Volontairement, bien sûr, on ne va pas pécher volontairement. Vous vous rendez compte, la fermeté? Ferme. Où sont ces critiques qui sont fermes là? Ils prêchent le même message depuis des années. La vérité. Quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent, pas de changement de message. Non! Ferme! Qu'est-ce que Dieu veut? Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Oh, il y a un autre point. Les montagnes s'écroulent. Par la foi. Les forteresses tombent. Les montagnes sont rasées. Par la foi. Les hauteurs. Alléluia. Babylone tombe devant les hommes et les femmes de foi. Ceux qui veulent t'enfermer dans Jéricho, là, les prisons vont tomber. Je vous dis. Les chaînes vont tomber. Alléluia. Oh, Jesus. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Par la foi. Par la foi. Par la foi. Ne vois pas les forteresses de Jéricho comme quelque chose des choses qui vont t'empêcher d'aller vers la victoire. Regarde, devant nous, il y a des situations compliquées parfois. Hein. On dit là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Si tu as foi, ça va tomber. Golette va tomber, tout ça là. Jesus. Les forteresses de Jéricho peuvent être des maladies. On dit là, c'est fini pour toi. C'est fini. Ça tombe. Jesus. Par la foi, Rahab, la prostituée ne périt pas avec les incrédules. Par la foi, nous avons la vie. Autre chose, la vie. Par la foi, ils combattirent des royaumes. Par la foi, il y a le combat. Nous combattons par la foi. Ah bah oui. Ça, c'est un autre point. Vous notez tous ces points-là, c'est important. Par la foi, ils combattirent des royaumes. Exercer la justice. Donc la justice. Il y a la justice dans la foi. Être juste. On devient juste. Obtenir des promesses. Par la foi, nous obtenons des promesses. Donc, bien sûr. Fermer la gueule des lions. Par la foi, tu vas fermer la bouche à tes ennemis. Tu vas boucher. Oh, mon ami, là. Les détracteurs, là. Tu fermes la bouche. Par la foi. C'est celui qui te maudit, là. Par la foi, tu vas fermer sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu dis tais-toi au nom de Jésus de Nazareth. Tu pries chez toi, tu dis Seigneur, que tous les sorciers qui me maudissent, ça se taise. Ça, c'est la foi. Qui est boosté ce soir-là?
Il y a quelque chose qui se passe. Je vous dis, on a presque fini là. On nous dit qu'il fermait la, hein, la gueule de lion. Seigneur, on a mis Daniel au fosse au lion. Les lions, ils peuvent que rugir comme autour de toi, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. C'est, on n'entend même pas leur rugissement. Vous savez pourquoi? Parce que ils sont muselés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en toi le lion de la tribu de Judas. Donc voilà. Par la foi, Jacob mourut. Hein? Donc, et adora Dieu. Donc, par la foi, Jacob mourant, bénit chacun le fils de Joseph et adora Dieu. Par la foi, on adore Dieu. Voilà, par la foi, on adore Dieu. L'adoration. Mon ami, là. Waouh! Mais la foi, là, c'est riche, hein? Par la foi, ils éteignirent la force du feu. Par la foi, tu vas éteindre le feu, les dards. Ils ont éteint le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, par la foi. Ils éteignirent la force du feu. Donc, le feu étranger, là, que Satan veut mettre en toi, dans ta famille, tu vas éteindre ça. Avec quoi? L'eau de la parole. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Waouh, Seigneur, mais il y a une richesse ici. Hein? Échapper au tranchant de l'épée, tu vas t'échapper. Comme Jonas. Celui qui t'a mangé là, tout ça qui a, comme le poisson qui t'a avalé là, il va te vomir. Tu vas t'échapper au nom de Yeshua. C'est pour ça que quand tu fais des songes comme ça, on te met dans une cage, tu sors, tac, tu t'échappes, tu t'envoles. Ben oui, c'est ça la foi. Tu t'échapperas aux pierres, des pièges de l'ennemi. C'est ça la foi. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Même tes enfants aussi, hein. Donc il n'y a pas que toi. Des malades devinrent vigoureux, par la foi tu seras guéri. Il y a la guérison, mon Dieu. Se montrèrent forts dans la bataille et mirent en fuite des armées étrangères. Par la foi, tes ennemis vont fuir. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi dans Deutéronome 28? Yahweh te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. Regardez les complots qu'ils font à chaque fois contre moi. Ils se mettent ensemble. Et puis après division. Contre toi, c'est pareil. Ils vont se lier contre toi, là. Après, quand tu vas prier seulement, là, dispersion. Ils vont se battre, les Égyptiens contre Égyptiens. Comme c'est écrit dans Ésaïe 19, 2. Ils vont tous associer l'oncle, un tel, tante, un tel, tout ça, là, ils vont faire une réunion. Mais quand toi, tu vas plier tes genoux, des feux vont tomber du ciel, comme ça. Alléluia! Des femmes recouvrèrent leur mort. Par la foi, il y aura la résurrection. Des membres de ton corps qui sont, hein, des organes qui sont morts, tout ça là. Même des résultats physiques. Oui. Par la foi, d'autres furent livrés au tourment. Tu seras livré au tourment. Waouh. D'autres subissent des moqueries. On en a déjà parlé. Hein. Calomnie, tout ça. Le fouet, les chaînes, la prison. Par la foi, tu peux faire de la prison. Ils furent lapidés, sciés, subirent. Donc, tout ça, c'est les épreuves. Hein? Donc voilà, les persécutions, tout ça, la persécution en gros. Ils furent livrés aux tranchants de l'épée. Ils errèrent ça et là, par la foi. Tu peux avoir l'impression de errer, hein? Persécuté partout, partout. Ça, tout ça, c'est la persécution en gros, par la foi. Vous vous rendez compte, mes amis, tout ce qu'ils ont subi en gros, par la foi. Et quoi qu'ils aient été tous recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas reçu l'objet de la promesse. Waouh! Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, et dans les montagnes, et dans les cavernes, et dans les trous de la terre, vêtus de peau, de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés. Voilà la foi. Et dans beaucoup d'assemblées, on ne parle pas de ces choses-là. Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a plus la foi. Voilà pourquoi Paul dit dans les Écritures, nous devons combattre le combat de la foi. Voilà. Combat, le bon combat de la foi. Vous savez, quand Paul dit dans Éphésiens 6, 12, là-bas, à Timothée, de combattre le bon combat de la foi, le mot utilisé là-bas, agone, veut dire littéralement arène ou encore stade. C'est une assemblée
où l'on assistait, hein, où il y avait justement les jeux hein, sportifs. Les gens y allaient pour assister à des jeux. Et c'est pour cela que Paul parle de ce combat. Donc en fait, dans ce combat, nous sommes entourés des gens qui nous regardent. Et nous sommes comme des athlètes. Et il y a des gens qui nous ont précédés au ciel. Et nous sommes entourés de cette nuée comme Hébreux 12 le dit. Alors, il ne faut pas baisser les bras. Les démons sont là, les hommes sont là, comme des spectateurs, et ils veulent nous voir échouer. N'est-ce pas? Toi qui te convertis, ah ben le vrai combat, c'est la foi. Vous voyez? La foi. La foi. Tu as trébuché? Alors, relève-toi. Relève-toi. Ces hommes et ces femmes dont il est question dans Hébreux 11 nous ont précédés. Ils ont réussi à atteindre leurs objectifs grâce à la foi. Nous pouvons le faire aussi. Nous ne sommes pas obligés de finir comme les autres. Tu n'es pas obligé de finir dans le péché. Tu n'es pas obligé de perdre ton onction comme les autres, de perdre ton témoignage comme les autres. Non! Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, ton sexe, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta condition sociale, tout ça intellectuel, tu peux, par la grâce du Seigneur, y arriver. Et tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Nous combattrons jusqu'à la fin. Nous tiendrons ferme. Nous garderons la foi. Et nous honorerons notre Père Céleste au nom de Yeshua. Alléluia! 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 Acclame Dieu! Levons-nous! Acclamons le Seigneur, mes amis, levons-nous! Waouh! La foi! Jesus! Seigneur, reçois les acclamations. Reçois la gloire. Nous tiendrons ferme, 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 ferme. Au nom de Jésus. Ferme. Jesus. Oh Seigneur. Oh oui, il est là. Il est là. Il est là ce soir. Pour toi. Pendant que tu acclames Dieu, les murailles tombent. Les chaînes tombent. La peur tombe. Les maladies tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. 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 Jesus, 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 hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, Jesus. Sois guéri, une femme de prière au nom de Yeshua, le Père t'aime. Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 voici le feu de Dieu, voici la puissance de Dieu, hallelujah. Oh, Jesus. Délivrance, là. Quelque chose qui te lâche, ma sœur. Cet esprit s'en va ce soir. Tu vas quitter ce corps au nom de Yeshua. Sors de là. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors d'elle. Voilà. Allez, sors. Au nom de Jésus. Fini. Fini. Elle te vomit. Elle ne veut plus de toi. Elle te vomit au nom de Yeshua.
Il y en a qui avaient perdu le zèle. Dieu réveille leur zèle. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Tu es un soldat que Dieu a récupéré. Un soldat que Dieu a restauré ce soir. Un soldat que Dieu délivre ce soir. Un soldat. Jesus Christ. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Et en tant que soldat ayant foi en Dieu, continue à marcher ta route, à suivre, à poursuivre ta route. Ne t'arrête pas sur les uns les autres. Continue, continue. Ta marche, la marche est longue. Continue. Tu arrives presque au bout de la route, du chemin. Continue. La récompense est devant toi. La rémunération est devant toi. Continue à faire le travail que le Seigneur t'a confié. Continue à intercéder pour ta famille. Continue à partager la parole autour de toi. Continue à évangéliser. Continue à faire l'œuvre du Père au nom de Yeshua. Jesus Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu voulais que Dieu te parle ce soir. Dieu te dit oui, je te vois. Je te connais. Je sais. Alors fais le travail. Fais le travail, ma fille. Fais le travail, ma fille. Fais le travail. Fais le travail. Fais le travail, mon fils. Fais le travail que le Père t'a confié. Fais le travail qu'il t'a confié. Au nom de Yeshua. Il a mis sur ton cœur le fardeau des âmes. Le fardeau de la jeunesse pour la jeunesse. Ça, c'est ton. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle, frère. Il t'appelle, ma sœur, là. Tous les deux, là, pour la jeunesse, là. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te dit, mon fils, là, je mets sur ton cœur le fardeau pour la jeunesse, là. Beaucoup de jeunes, là, tout ça, là. Tu vas enseigner la jeunesse, là, ma parole, tout ça. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vois beaucoup de jeunes français qui sont touchés, là, tout ça, là. Tu portes cette nation sur ton cœur, là, tout ça. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu va toucher ta belle famille, là. La puissance de Dieu va venir sur ta belle famille. Le Seigneur a vu, le Seigneur a entendu vos prières, là. Au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un, pourquoi tu peurs? Pourquoi tu peurs de l'homme? De l'homme mortel. Continue à faire confiance à ton Père Céleste. Fais confiance au Seigneur là. L'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va l'achever parfaitement au nom de Yeshua. Mais fais-lui confiance, fais-lui confiance au nom de Yeshua. Jesus. 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 Voilà. On a fini, que Dieu vous garde. On se retrouve demain. Combattons le bon combat. À garde bien notre foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus. Et je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus.